Salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite session corde à sauter et power move. Donc tout ce que vous auriez besoin, ce sera une corde à sauter, votre corde, bouteille d'eau et on y va. Donc là, l'exercice, ça va être super simple. On va partir sur 45 secondes de corde à sauter. Ensuite, on va partir sur 8 pompes, d'accord? 8 pompes basiques. Donc on va être ici, hop, 2 secondes à la descente, 1 seconde à la montée, d'accord? Donc 45 cordes à sauter et 8 pompes, 2 secondes à la descente, 1 seconde à la montée. On est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. On va commencer par pieds joints, ça va être plus facile. Pensez à respirer dès le début, d'accord? Si vous commencez à respirer à la fin, c'est trop tard. On respire bien dès le début. On garde les bras le long du corps. Et on respire. On continue. Il nous reste 5 secondes. Et position pompe. On y va. 2 secondes à la descente, 1 seconde à la montée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dernière, et 8, on reprend sa corde. C'est parti pour 45 secondes encore. On va enchaîner ça 6 fois. On a presque fini. Continue. Il nous reste 10 secondes. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et position pompe. Et 1, 2, et 3, 4, 5, 6. 7, une dernière. Et 8, on reprend la corde. C'est parti. On en a deuxième, il nous en reste 4. Bien sûr, si les pompes elles sont trop dures pour vous, vous pouvez vous les faire sur les genoux. D'accord? Mais pensez à aligner vos genoux, vos hanches et vos épaules tout le temps. D'accord? Ok, on est parti. Il nous reste 15 secondes. Secondes, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour la troisième série. Je descends, 1, 2, 3, 4, on respire, 5, 6, encore 2, 7, et 8, on reprend sa corde encore. Parti pour 45 secondes. On respire, on va enchaîner à quatrième bientôt. Encore 15 secondes. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. On a fait plus de la moitié. Ok, quatrième série de pompes, c'est parti. Pareil, même tempo. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on reprend sa corde. C'est parti pour 45 secondes encore. Là, c'est notre quatrième. Il nous en manque deux. Seulement deux. C'est rien du tout.
on respire, on lâche rien. On souffre, mais avec le sourire. 20 secondes. On respire, on respire. On va entamer la cinquième. Prêt? Et c'est parti. Cinquième série. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dernière, dernière. Et 8. On reprend pour la dernière série. Dernier 45 et dernière pompe. Pour la dernière pompe, bien sûr, si c'est vraiment très dur, vous pouvez la finir sur les genoux. D'accord? Je vous encourage à la finir normalement, mais vous pouvez la finir sur les genoux, il n'y a pas de souci. Juste pensez à être aligné, épaules, hanches et genoux. 15 secondes. Prêt. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Dernière, dernière à fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et dernière, 8. Ok, vous pouvez respirer un peu, allez boire, et on se retrouve tout de suite. Donc là, on s'est bien reposé, on a bien bu, on va partir tout de suite sur un deuxième cycle. Donc le système, ça va être toujours le même, corde à sauter, plus un exercice après, d'accord? Donc là, pour la corde à sauter, ce qui va changer, c'est qu'on ne va pas sauter pieds joints, mais on va sauter en jambes alternées, d'accord? Donc ça va donner ça, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, d'accord? Ça, c'est pour la partie corde à sauter. La deuxième partie, on va changer les push-ups, parce qu'on sait que les bras commencent à être fatigués. Mais on va continuer sur les bras quand même. On va partir en planche ici et toucher l'épaule. Hop, 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 hop. Ok, le but de cet exercice, essayez de ne pas vous pencher trop sur le côté, d'accord? On essaie de gainer tout le corps et rester le plus droit possible en allant laisser toucher les épaules, d'accord? Essayez de ne pas trop vous balancer comme ça, d'accord? Donc, on a respiré, on est bon, on est prêt. Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Corde à sauter, pied alterné. Ok, 20 secondes. Secondes. Cinq, quatre, trois, deux, un. Ok, c'est parti. Touchez l'épaule. Hop, deux, trois, quatre. On va jusqu'à 10, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repart sur la corde. 45 encore. Secondes.
10 secondes, on tient, on souffle. On souffle. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, pareil. On va pas trop vite, on prend son temps. 1, 2, 3. On respire en même temps. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est reparti pour 45 secondes. On respire, on respire. Vingt secondes. Prêt. Cinq, quatre, trois, deux, un. C'est parti, on part pour la troisième. On va jusqu'à six, troisième. C'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9 et 10. Ok, on repart sur 45 encore. Toujours la même. On lève les genoux. On essaie de ne pas faire des talons-fesses, mais vraiment plus des montées de genoux. D'accord ? On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. On tient. Secondes. Allez, on a presque fini. On part sur la quatrième. Prêt. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On reste gainé, on reste gainé. Toujours pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est parti, toujours pareil, 45 secondes, corde à sauter. Montée de genoux, pas de talons fesses. On y va. Si vous êtes à l'aise sur la corde à sauter, vous pouvez essayer d'accélérer un petit peu plus. Si vous êtes vraiment fatigué, vous pouvez ralentir la cadence. Vous vous ajustez selon vos facilités ou difficultés. 15 secondes. Prêt, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Quatrième, quatrième, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, corde à sauter. Il nous en manque deux. Il nous en manque que deux. Allez, on tient, on tient, on tient. Vous devriez sentir vos épaules là. Il faut respirer. Respirer profondément. D'accord ? Pour tenir. Quinze secondes. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. On tient. On tient. On a presque fini. Là, on va faire la cinquième. On va faire la cinquième. Prêt ? 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, allez. C'est parti pour la cinquième. On reste gainé, on reste gainé. On y va doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on entame la dernière. Dernière 45 secondes et dernière planche touchée épaule. Comme c'est la dernière, on peut essayer d'accélérer un petit peu. D'accord ? On peut essayer d'accélérer un tout petit peu. On essaie de voir jusqu'où on peut aller. On y va, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Quinze secondes. Quinze secondes, on lâche pas, on tient. Allez, 10 secondes. Allez, c'est la dernière, c'est la dernière. On peut pas lâcher maintenant. On finit. 5, 4, 3, 2, 1.
Ok, dernière planche, dernière planche. Prêt? 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, bien joué. Ok, donc là, on va essayer de se stretcher un petit peu, s'étirer un petit peu parce que normalement, ça va travailler épaules, bras, aussi de cardio. Donc, on va essayer de se détendre un peu tout ça rapidement. Donc, vous allez vous asseoir. Donc, on va s'asseoir sur les fesses. On va tirer, je vais mettre de profil comme ça vous voyez mieux. On va tirer les bras derrière et on va ouvrir le torse et on va respirer. Ok, on respire. Là, on a travaillé principalement les bras, les épaules, les trapèzes, tout ce qui est le haut du corps. On travaille aussi beaucoup de cardio parce qu'on n'a pas pris beaucoup de pauses. C'était intensif. Donc, il faut étirer tout ça. Ok, on peut venir en tailleur. On attrape le bras, on le tire. Changer. Passe le bras derrière la tête. On change de bras. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez beaucoup travaillé, j'espère que vous avez transpiré aussi. Si vous avez plus d'infos sur le matériel que j'utilise, corde à sauter, bande, tous les matériels professionnels pour pouvoir s'entraîner proprement à la maison comme dehors, rendez-vous sur le site jumpplus.com et jumpplusware.com et à très vite.